c'est l'heure de question. Mais oui, vous l'attendez. Enfin, ça y est, l'heure du show à l'américaine. C'est ça, question. Plus fort que la mi-temps du Super Bowl. Ah bah, le, tu m'étonnes. Le meilleur quiz mondial que vous retrouvez tous les mardis soirs sur Skyrock. Oui. Avec les deux champions, les deux cerveaux de l'équipe. C'est nous. D'un c'est côté, ça, c'est ça. Cédric. Ouais, ouais, ouais. Gros con en titre. Ouais. Ouais. De l'autre, Karim. Ouais. Qui a pas perdu un match depuis le début de l'année 2022. Ouais. 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 Mais il est t'as tellement courageux qu'il remet son titre. Vérifié par vainqueur. Marie, donc on peut avoir confiance. Si, si, oui, j'ai vérifié. Et Karim est tellement courageux qu'il remet son titre de vainqueur en jeu ce soir. Eh ouais. Cédric, tu es le challenger. Bravo, mais aussi le gros con actuellement. Ouais, ouais. Qui va gagner? Question pour un gros con. Eh bien, c'est la question qu'on se pose ce soir tous ensemble. Voici le grand match. C'est parti. Ah, je suis content. C'est de l'émotion, du suspense. Un peu comme dans un grand match. C'est un peu notre Champions League à nous. Pa, 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 pa. Le présentateur de question pour un gros con. Il est là, il est avec nous. Il est formé à l'école Jean-Luc Reichmann. Non, mais c'est génial. Ah, c'est Romano. Ouais. Ouais. Romano. Autrement dit, un grand professionnel du quiz. Merci Jean-Luc. Un de grand... rien, c'est génial. Un bien, grand professionnel du game. Romano, c'est à toi. Question pour un gros con. Eh oui, oui, bonsoir et bienvenue sur le plateau de question pour un gros con. Ouais. Comme d'habitude, la partie va se dérouler en 5 points. 5 points gagnants. Celui qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire. Deux candidats, Cédric à mon extrême droite. Non, à ta droite. Voilà, ouais, c'est moi. Et arrête Karim avec ça. À mon extrême gauche. Oui. Eh bien, ce soir, comme d'habitude, pour répondre, il faut crier avec votre prénom. Cédric, quel est ton prénom? Cédric. Karim, quel est ton prénom? Karim. Oh, bonne réponse pour les deux candidats. Si vous criez avant la fin de la question, je m'arrête tout net et vous avez 3 secondes pour répondre, pas une de plus. L'arbitrage ce soir est effectué par Samy lui-même. Bonsoir, bonsoir. Accompagné... Des avantages pour Karim, hein, je présente. Pourquoi? Parce qu'il est parisien. Oh. Samy Turpin. Accompagné de notre système vidéo, la VAR. Évidemment. Bien sûr. La VAR, c'est pas toi, Romano? Non, c'est le système vidéo. Non, c'est Molière. Et Marie est tenue par la buvette. Ouais, c'est ça. Tant bien. Je tiens la buvette. Tant bien. Non, non, c'est la buvette qui te tient. Alors, j'ai oublié de préciser, nos deux candidats ont chacun un joker. Ah oui, c'est un joker, autrement appelé boulet pour Cédric, puisqu'il s'agit de Marie. Eh ah, oui, ouais. C'est moi. Peut-être un mot à vous dire entre candidat et joker. Marie, il faut que tu y arrives ce soir. Bah ouais. T'inquiète pas sur les maths et tout ça, tu vois. Non, mais sachez, j'ai l'habitude, Marie. D'accord, en tout cas, nous, après une si belle victoire, ça va le faire. Ouais, mais venge la poule, gars, venge la poule. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ce soir, comme d'habitude, la partie est supervisée par le grand Difool. C'est moi qui supervise. Bravo. Et je crois que la partie va pouvoir démarrer. Le temps que un joint finisse de se rouler, a priori. Tu as l'oreille fine, Romano. Je suis quand même le présentateur. J'ai l'oreille partout, j'ai des écrans de contrôle. Ah ben, je vois que tu as l'oreille fine. Mais non, c'est une cigarette roulée, j'en peux pas te dire. Bah oui. Alors attendez, je suis un peu de sérieux. Deux candidats, des questions, un seul gros con, c'est question pour un gros con. Et on va attaquer, si les deux candidats sont prêts. Cédric, tu es prêt? Ouais, ouais, ouais. Karim, ouais. Tu es prêt? Les jokers, vous êtes prêts? On est prêt, on est prêt. L'arbitrage est prêt. On est prêt. Difool est toujours prêt, lui. Alors attention, on va commencer par une question rap, une question musique. En chantant? Non, sans chanter pour le moment. Citez deux titres de Koba. Cédric, Karim, à toi. Guigui, mon joker. Deux titres de Koba Ladé. RR91 avec Niska. Et la détail. Ouais, bonne réponse. Et bim. Boum. Bien joué. On peut dire Doudou. Le titre qu'on jouait. Ouais, c'est vrai, Doudou, ouais. L'a passé tout à l'heure. Un peu plus à l'ancienne, ouais. Ouais, non, mais y a pas de problème, c'est accepté. Il n'y avait pas de date précise, donc nickel, tout est accepté. Bon. Donc, un point pour Karim. Ouais. Et tu n'as plus de joker, tu as utilisé ton joker. Ouais, mais un bon escient. Qui a été plus efficace que Lionel Messi, son idole. C'est vrai. Alias, la puta. Non, mais arrête, gros. Ah, mais c'est une puta. Et Guigui, Kotoki, beaucoup moins cher que Lionel Messi. Ah, ça, c'est clair. Largement moins. Ouais. Puisque je suis gratuit. T'aurais pas la haine de filer autant d'argent à un mec comme ça, Romano, petite parenthèse, qui fait des matchs de merde depuis le début de l'année? Ah, ça me fait très la haine. Si t'étais président du PSG ou. Mais déjà, j'aurais pas acheté ça. Émir du Qatar. Acheter ça. Non, mais j'aurais pas acheté un club de foot, tu vois. Non, mais tu l'aurais, ton club de foot. Tu es l'émir du Qatar, t'as ton PSG. Je vais le traiter en coulisses, dans les loges. Quoi, dans le. Dans le vestiaire. Dans le vestiaire, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. Dans les loges, avec du champagne. Je l'insulte, mec. Bien sûr. Ah, mais moi aussi, je dis, vas-y. Non, mais si ta gueule, je lui mets une gifle, je lui dis ta gueule, c'est moi qui te paye. Voilà comment il traite ta putain. 4 millions par mois, frère. Non, mais peut-être qu'il devrait un peu plus mal lui parler pour que le mec il réagisse au bout d'un moment. C'est clair. Je pense aussi, ouais. Bon, fin de la parenthèse, retour au match. 1-0 pour Karim. Allez, Cédric. Ouais. Vas-y.
Alors attention, une question qui va peut-être avantager Cédric, vous allez comprendre. Une question expression française. Ah. Alors il faut compléter l'expression française. Quand on parle du loup, Cédric, on envoie la queue. Bonne réponse. Et bim, et bam, et boum. Salope. Ah, c'est parce qu'il y avait une histoire de queue. Bah ouais, je pensais que Cédric avec l'histoire de queue. Mais j'avais celle-là, faut se réveiller par contre. Bah, c'était serré, écoute le truc, tu verras. Bon, 2-0. Ah, c'est bon. Alors attention. Pour Karim. Vous allez peut-être réussir une question, chacun votre tour. Chacun votre tour, citez un site porno. Ah. Oh putain. Cédric. Dommage que t'aies plus Guigui. Ah ouais, dommage, là, frérot, parce que là. Allez, commence. YouPorn. Accepté. Xvideo. Ouais. Xhamster. Ouais. XNXX. Ouais. Jackie et Michel. Oui. Voilà. Il y a des classiques, vous avez Pornhub. Pas Pornhub. Ah voilà. Ouais. Tu l'as pas dit. Non, il l'a pas dit. C'est bon, c'est bon. Le temps, le temps. 3. Marie. 2. Marie. Je sais pas, moi je regarde pas. Ah non, putain, Marie. 3. Joker de merde. Non, mais c'est pas un joker que t'as, c'est un boulet au pied. Non, mais moi je regarde pas. En plus, les plus connus, vous l'avez dit, donc. Voilà. Non, il a manqué un paquet quand même. Mais attends, parce qu'elle a loupé. Elle a loupé, logiquement, c'est à moi, parce que j'ai ouais, c'est qui est dans le commencer. Tu viens de te mettre dans la merde tout seul. Citeber, c'est un site gay. C'est bon, accepté. Il a dit un site porno. Après, ça peut être hétéro, gay, travesti. Vous avez pas dit Brazzers. Brazzers, oui. Tu kiffes, on l'a pas dit. Ah, Beurette vidéo. RedTube, on nous dit là. Ah ouais, RedTube. Ah oui, RedTube, oui. C'est quoi RedTube? Bah, c'est comme Pornhub, c'est dans la même maison. Ah ouais, c'est d'accord. Un site de cul. C'est tout, il y a que ça comme site de cul. Non, mais il y en a plein d'autres. Non, mais on les connaît pas tous. Il y a pas RedTube ou je sais pas quoi. Si tu l'as dit, si. On vient de le dire. Tu viens de le dire, c'est même toi qui l'as dit d'ailleurs. RedTube. Tu viens de le dire. Ah, je dis, bah, genre, il y a ça. Faudrait que tu parles YouTube, je crois. YouTube aussi, oui. Qui débloque. Bon, un point pour. 3-0. 3-0. Putain, c'est Rick. Non, mais excuse-moi de pas être un pro des sites porno. Gros. Non, mais t'es un pro de quoi? Parce qu'à un moment donné. Oui, parce qu'on a fait du rap. Ah, il y a eu du rap. Il y a une expression française. Là, une question automobile, une question mécanique. Ah, voilà. C'est pour toi. Quel liquide est utilisé pour maintenir. Le liquide de refroidissement. Bonne réponse. Et bim, et bam, et boum. Putain, quel liquide est utilisé pour maintenir le moteur d'une voiture à température constante? Le sperme. Le liquide de refroidissement. Donc ça fait 4-0. Ça va trop vite. Ça va trop vite. T'as pas fini la question. Karim, laisse des points. Il fallait déduire. Mais non, mais liquide, ça pourrait être autre chose. Ça peut être le liquide pour faire avancer la voiture, l'essence. Ou le liquide de frein. Ah, pareil, c'est vrai. Ouais, je tente, moi. Ouais, ça peut être plein de trucs, gros. Allez, alors, on va 4-0. Faut faire la charade. Non, bah, c'est l'heure de la charade. Charade. Cédric, tu vas pas te prendre un 5-0 quand même. Ah, bah non, j'aimerais bien. Réfléchis. Alors, attention. Mon premier sépare nos deux fesses. Celle de Cédric se termine entre ses omoplates. Entre ses omoplates. Ça, c'est toujours en numéro 1, ça. Hein. C'est toujours en numéro 1. Vas-y. Mon deuxième a des pouvoirs surnaturels. Mon troisième est un fleuve d'Europe long de 1233 kilomètres. Mon quatrième est une abréviation qui désigne les départements d'outre-mer. Mon tout est une Mon tout est une consultation de l'ensemble des citoyens. Vas-y, Karim, tu vois. Oh, j'ai trouvé. Ah, bah oui. Ah, si. On le fait tous les matins. Consultation des citoyens. Allez. 3. Consultation. Allez, 2. C'est facile. On le fait tous les matins, Karim. Mais oui. Karim. Mais là, Karim, référendum. Refusez. Non, parce que Guigui, là, t'as pas le droit de donner. Personne n'avait trouvé, j'ai aidé. J'ai quand même bien aidé. Et je l'ai dit avant que tu dises la réponse. Donc, annule les questions. J'ai pas dit, gros. Si, j'ai dit non. Avant que tu dises. Alors, mon premier, c'est par nos deux fesses. C'est terminé entre ses omoplates. L'arrêt du cul. Mon deuxième a des pouvoirs surnaturels. La fée. Le fleuve d'Europe. Le Rhin. C'est une abréviation qui désigne les départements d'outre-mer. Les DOM. Bah ouais. Département DOM. DOM. Mon tout est une consultation de l'ensemble des concitoyens. C'est vrai que vous le faites dans le morning également tous les matins. Eh oui. Référendum. On reste à 4-0. Putain. 4-0 toujours. Ouais. Alors attention. Bien sûr, mais comme personne n'a trouvé, je me suis permis, c'est pour ça. Ah, vous avez trouvé, mais depuis le. Ah ouais, mais pas d'indice. Vous êtes trop fort. Dans les messages, ça va être. Vas-y, Samy Turpin a bien arbitré. Non, mais c'est vrai, bel arbitrage. Bel arbitrage. Merci. Allez, attention, une question, chacun votre tour. Ah putain. Chacun votre tour, citez des animateurs télé. Cédric. Karim, tu commences. Oh, ça va, alors là, il y en a un paquet. Reichmann. Ouais. Accepté. Cyril Hanouna. Ouais. Arthur. Ouais. Castaldi. Hervé Matou. Ouais, c'est vrai. Cyril Ferraud.
Ouais. Slam, il fait slam. Ouais. Là, Greg de l'équipe de Greg sur l'équipe 21. Bon, bien joué. Voilà. Sortir les mecs d'Equidia. Ah bah ouais. Non mais ça marche, ça marche. Samir Nasri. Non, ben non, c'est pas un présentateur, non. C'est pas un présentateur. Non. C'est perdu. Les consultants, ouais. Les consultants. C'est déjà Castaldi, je me suis dit, ce con, il va partir sur les chroniqueurs d'Hanouna. Parce que t'as été faire baiser Castaldi. Castaldi présente une émission. Ouais, il présente 6 à 7, là. Et c'est gagné pour Castaldi. Et voilà. Autrement dit, le bifort. Vas-y. Ah ben voilà, Cédric. Cédric a dit Samir Nasri parce qu'on a le canal Champions Club. Il y a la télé derrière moi. Il a regardé. Oh là, Samir Nasri. Il a la télé. Non, Kylian Mbappé. À ce moment-là, Mimi Mati, elle passe à la télé, elle n'est pas présentatrice. Voilà, Mimi Mati. Mbappé, quoi. T'aurais dû dire Tex. Ah ouais. Non, il n'y est plus. Bah ouais. Ah, c'était genre qui était en cause. Il n'y est, est plus Tex. Il n'y est plus. Il était viré, trop con. Bah, Nico Saliagas. T'aurais pu dire, on avait plein. Putain. Il y en avait plein, mais une fois de plus, t'as complètement échoué. Et je crois que c'est une manita. Eh bien, Cédric, ah ouais, ce soir, c'est catastrophique. On va laisser pour 5-0, Cédric. Eh bien, bravo, Cédric, ce soir. Une fois de plus, tu es le gros con. Mais ce soir, avec les honneurs et les félicitations. Bravo, Cédric, bravo. Bravo. Bravo, Cédric, bravo. Merci, merci. 5-0, fallait le faire. Bravo. 5-0, c'est vrai, fallait le faire. Et il l'a fait ce soir. Ah, grave. Bravo, Cédric. Merci, merci. Tu récupères ton titre de gros con pour une semaine encore. Allez, vas-y. Et oui, une semaine de plus avec le titre. Bravo, Cédric. Ah, bah. Est-ce que tu vas nous faire une année 2022 entière? Bah non. Ah, Inch'Allah. Mais toi, t'aimerais bien. Ah, putain, ça, évidemment. Non, mais c'est rapide comme ça, j'aime bien, tu vois, 5-0. Ah, ouais, ça, mais moi, je préfère quand même pour le show, tu vois. Pour le show à l'américaine, je préfère quand il y a des 4-4. Franchement, ça manque un peu de spectacle. Ah, ouais, bah bon, c'est vrai. C'est un peu comme le match de soir. Guigui, ça raconte pas trop, ça va. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que Marie, tu vas devenir le joker de Karim et moi, je passe pour. Je suis pas sûr que je sois d'accord. Non, on est entre parisiens, gros. Non, moi, je propose un truc. Viens, on change. Pour équilibrer un peu, la semaine prochaine, vous tirerez au sort votre joker. Ah, c'est pas bien. Comme ça, vous saurez, parce que bon, Cédric, c'est pas le joker qu'il a, c'est un boulet. Des fois. Non, mais Harry, il n'y a pas une fois où t'as répondu. Ou alors, la semaine prochaine, on le fait sans joker pour voir peut-être que Cédric va gagner. Ah, ouais, c'est possible. Et oui. Non, mais il faut, ouais, parce que possible. Là, ça va pas. Ça va pas, Harry, mais c'est catastrophique. Ah, attends, sur les trucs de cul. Bah non, dis contente que son maître ait gagné, elle veut manger un gâteau. Je peux lui donner. Elle veut manger un gâteau. Elle veut manger un petit gâteau pour faire plaisir à ton papa. Voilà. Oh putain. Quoi putain, ah, putain, ça dégoûte. Cédric qui bouffe. Ça va. Doucement, Cédric. Cédric fait moins de bruit quand même. C'est Cédric qui mange comme ça. Bon, c'est bien, voilà pour le match. En tout cas, c'est bravo Cédric d'être aussi mauvais. Non. Allez, ta gueule. Bon, j'espère qu'il a eu de la chatte un peu. Sur deux, trois questions, il a eu de la chatte. Pourquoi? De quoi il a eu de la chatte? Bah, par exemple, sur le liquide de la voiture, t'as eu de la chatte. Ah, liquide de refroidissement, j'allais pas dire l'essence. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Karim tente plus. Il attend moins la fin de la réponse. Il a tenté, il aurait pu. Non, mais tu sais, là où t'es pas très bon, c'est qu'à un moment donné, quand t'es à 3-0, quand tu te fais battre 3-0, non, mais tu devrais tenter. T'as plus rien à perdre, tu vois. Il a raison. Ah, mais j'aurais bien marqué le point, t'as vu. Non, mais tu devrais. Ouais, mais tu devrais. Écoute les conseils de Marie, elle est tellement forte. Non, mais là, si je me dis quoi, je me dis, elle serait trompée. Ça aurait pas été le bon liquide, j'aurais marqué le point. Ouais, mais là, mais hey, il a raison. Bah oui, il est nul, Cédric. Écoute mes conseils. Ouais. Tu sais qu'à chaque fois que tu la prends pour une question joker, à chaque fois. Non, mais moi, ça me rappelle quand on faisait les clashs et que je me tapais Marie en boulet. Bah quoi, on a déjà gagné. Oui, bah oui, heureusement que j'étais là. On a déjà gagné avec la Marie. Moi, j'ai gagné avec la Marie. Non, mais tu sais, c'est comme. T'es pas là pour un clash. C'est comme au sport, dans certains sports, tu sais, tu pars avec un handicap. Bah, Messi, par exemple, au PSG. Tu vois, miracle que le PSG ait gagné avec Messi dans l'équipe. Par exemple, ouais. Ça n'a pas été exceptionnel. Bon. On va c'est comme au biathlon, tu te tapes des tours de pénalité. Ouais, tu pénalité. Vois, quand bon, dans un instant, on aura Romain. Tiens, on va lui dire bonjour. Il est avec nous, Romain en direct.